Le roi de Paris 2024, le roi des bassins, le roi du monde, le nageur français Léon Marchand entre dans l'histoire en remportant hier soir 2 médailles d'or en moins de 2 heures, d'abord sur 200 mètres papillon, où le prodige toulousain s'est imposé après une rude bataille face au Hongrois Christophe Milak, puis sur 200 mètres brasse, où cette fois le Français a dominé du début à la fin. Un doublé historique, célébré comme il se doit au Club France, Martin Lange. Une explosion de joie sous la halle de la Villette. Léon Marchand vient de remporter son 2e titre olympique de la soirée. 200 mètres papillon, puis 200 mètres brasse, un exploit inédit. Léo, qui a suivi ses 2 courses au Club France, n'en revient toujours pas. La première course, franchement, il n'était pas favori face aux Hongrois. Il arrive quand même par gagner. Du coup, après ça, on se disait, plus rien peut lui arriver, quoi. Il a confirmé aux 200 brasse. Il gagne avec tellement d'avance. C'est incroyable. Une Marseillaise chantée à tue-tête à la Villette et à la Défense Arena, et un Léon Marchand tout sourire chez nos confrères de France Télévisions. Quel bonheur, en fait là c'est vraiment, c'était mon cadeau de Noël aujourd'hui. Je travaille tous les jours pour ça, je me lève tôt le matin, il y a beaucoup de souffrance toute l'année, donc ce genre de choses, je profite au maximum. Comme les 25 000 supporters du Club France marqués à vie par cette soirée. C'est la meilleure émotion de la journée, ça sera sûrement la meilleure émotion des Jeux. 3 médailles jusqu'ici, peut-être 4, voire 5. Et oui, car il reste encore 2 courses au prodige, le 200 mètres 4 nages vendredi et le relais 4x100 mètres 4 nages dimanche, le clou du spectacle. Léon Marchand, voilà les chants évidemment, merci Martin Lange.